Il nous permet de nous retrouver encore une fois dans sa présence aujourd'hui. Er hat dafür gesorgt, dass wir uns noch mal einmal treffen können in seiner Gegenwart heute. Et avec tout l'amour que j'ai pour vous. Und mit aller Liebe, die ich habe für euch. Je vous bénis chacun, chacune au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Ich segne jeden einzelnen von euch. Si vous croyez que je peux encore porter une bénédiction sur vous, alors recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Also wenn ihr Amen. Gloire à notre Seigneur. Gott die Ehre. Hier, nous étions en ces lieux. Gestern waren wir hier. Et nous avons étudié quelque chose de très très important. Wir haben etwas studiert, was wirklich ganz ganz wichtig ist. Je crois que les amis qui étaient là sur place ont retenu quelque chose. Ich denke, die hier sind, die gestern da waren, die haben was empfangen. Est-ce que les enfants de l'Alliance peuvent dire Amen très fort? Können die Kinder des Bundes Amen sagen? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gott die Ehre. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, heute mit der Hilfe des Heiligen Geistes, je voudrais continuer dans la même lignée de mon message d'hier. Möchte ich eigentlich in der gleichen Linie bleiben, im gleichen Bereich. Mais mon sous-thème aujourd'hui, aber mein Unterthema heute, je l'intitule, nenne ich, je connais ma race. Ich kenne ma race. Alléluia. Amen. Je connais ma race. Also, ich kenne meine Rasse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je connais ma race? Kann einer mit mir zusammen sagen, ich kenne meine Rasse? Quand tu le dis, dis-le avec conviction. Wenn du es sagst, je connais ma race. Ich kenne meine Rasse. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une fierté d'appartenir à une race. Es gibt, also, jede Rasse hat einen gewissen Stolz. J'ai l'habitude de recevoir des Américains qui viennent prêcher en France. Also ich empfange oft Amerikaner, die nach Frankreich kommen und da predigen. Et laissez-moi vous dire parmi les choses qui m'ont étonné avec eux. Also lass mich euch eins sagen, die Sache, die mich bei ihnen gewundert hat. Ils étaient fiers d'être Américains. Sie waren so stolz darauf, Amerikaner zu sein. Vous ne pouvez pas comprendre. Ihr könnt das nicht verstehen. Et pourtant, ce sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Aber es sind Diener und Dienerinnen Gottes. Des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Es sind Menschen, die Gott dienen. Mais ils sont fiers nichtsdestotrotz sind sie stolz darauf, Amerikaner zu sein. Et chaque fois pour se moquer de moi, und jedes Mal, um sich über mich lustig zu machen, ils comparent toujours tout avec les États-Unis. Sie vergleichen immer alles ils disent, mit vous avez der USA. Maison, sie sagen, ah, ihr habt doch kleine Wohnungen, vous avez des petites voitures, ihr habt kleine Autos, vos routes sont trop petites, eure Wege sind so klein, tout est petit, petit, alles petit, ist klein, petit. Klein, klein. Alors klein. Quand vous venez chez nous, also, tout est big, 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 big. In Amerika ist alles groß, groß, groß. Voilà pourquoi même nous-mêmes les Américains, nous sommes big. Und deswegen sind wir Amerikaner selbst hier auch groß. Alléluia. Amen. Ils sont fiers parce qu'ils savent qui ils sont. Sie sind so stolz darauf, weil sie wissen, wer sie sind. Tant je connais ma race, wenn ich meine Rasse kenne, je sais où je peux aller.
dann weiß ich, wohin ich gehe. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre plus tard. Ihr werdet das später verstehen. Ouvrons rapidement nos Bibles. Lass uns unsere Bibel aufmachen. Wir werden ein Vers lesen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esther. Im Buch Esther. Esther chapitre 6. Esther Kapitel 6. Je vais lire juste le 13e verset. Nur den 13. Vers. Esther chapitre 6. Also Esther 6. Le verset 13. Den Vers 13. Tout le monde a trouvé? Esther chapitre 6. Le verset 13. Je sais que Esther n'est pas un livre facile à trouver la Bible. Mais vous pouvez la trouver. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, deux points, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Je répète, si Mardoché, devant qui, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Pourquoi je veux parler aujourd'hui de la race? Warum will ich heute über die Rasse sprechen? Le principe de Dieu est simple. Das Prinzip Gottes ist ganz einfach. Toute espèce créée par Dieu, alles was Gott erschaffen hat, reproduit toujours, reproduziert immer wieder, dans la même espèce. Also die gleiche Spezies, das heißt ein Löwe produziert einen Löwe. Je le répète. Ich wiederhole das. Toute espèce, also alle Art von Sachen, reproduit toujours dans la même espèce. Produziert nur das, was sie sind. Je vais aller plus loin. Ich werde noch weitergehen. Il est anormal. Es ist unnormal. De voir un homme blanc, zu sehen, dass ein weißer Mensch, marié à une femme blanche, der eine weiße Frau geheiratet hat, donner naissance à un enfant noir, dass sie ein Kind gebären, das schwarz ist. Vous comprenez? Versteht ihr das? Tout comme si l'inverse est anormal.